Et salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une réception spéciale. Je vous l'avais promis en fin de vidéo la semaine dernière, c'était la vidéo des tripacks. J'avais du mal à me resituer. Des tripacks que j'ai reçus des blisters, donc je vais vous les présenter. Alors j'en ai combien? J'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! 15 blisters, il y en a 12 du bloc X, 2 du bloc Wizard. Et 1 de diamant et perle. Ouais, ça fait beaucoup, hein. J'aurais pu faire deux vidéos, mais franchement, bon, voilà, je vais pas vous abrutir de vidéos comme ça quand même. Je pense que je vais tout montrer. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps que d'habitude. Et je suis content de moi parce que pour le coup, sur la miniature, je vous en montre assez pour que ça vous donne vraiment envie de cliquer. Et en même temps, je vous montre pas tout, comme ça vous allez voir des choses que vous n'avez pas vues sur la miniature. Donc, je les ai classés pour moi, du moins rare au plus rare. Voilà. Donc sauf les boosters Wizard parce que c'est les mêmes et Diamant et Perle parce qu'il n'y en a qu'un. Mais pour les boosters X, je les ai classés du moins rare au plus rare. Donc le booster Diamant et Perle, j'en ai qu'un, donc je vous le montre directement. Donc c'est du Diamant et Perle de base. Et donc voilà. Super bon. Je suis super content de l'avoir vu. Diamant et Perle, j'en ai plein, hein, vous le savez. Beaucoup de personnes en ont trouvé, alors je sais pas comment tout s'est sorti, enfin je sais moi où je les ai eu, mais les autres je sais pas d'où c'est sorti, peut-être de la même personne, ou je sais pas. Il y a un gros stock qui est sorti. Mais ce booster diamant et perle, je parle pas du blister, hein, diamant et perle tout court. Il y a de ça, on va dire, allez, 2 ans à peu près, 1 an et demi, 2 ans. Ce genre de booster, j'aurais été capable de mettre 30 euros pour l'avoir. En loose, je parle pas avec le blister. Hein. J'aurais été capable de mettre 30 euros pour en avoir un. C'était tout simplement introuvable. Introuvable. Et d'un coup, il y a un stock énorme qui est sorti, et du coup, ça a super décoté. Et sa cote actuelle tourne entre 10 et 12 euros. Ouais. Mais ça reste quand même le premier booster après le bloc X. Donc c'est quand même considéré comme un booster à ce jour rare. Donc je suis content parce qu'il est sous blister et ça j'en avais pas. Donc je vous montre quand même là, on a le Dialga et Paka. Et je suis content parce qu'il y a l'opercule ici. Petit opercule que je vais essayer de garder comme ça. Donc le dos. Voilà, je vous laisserai lire. Hein. Je sais pas, Diamant et Perle, ça date de 2007. Ouais, 2007. Donc voilà. Donc très sympa. Je dirais le prix d'aucun blister parce que certains seront à la vente. Et j'aime pas trop donner les prix des réceptions spéciales, vous le savez. Je vous donnerai juste le prix de celui-là, parce que je l'estime l'avoir payé un peu cher, mais je le voulais vraiment. Je l'ai payé 35 euros. Ouais. Alors c'est énorme quand on compare le prix du booster en loose à 10-12 euros. Mais j'en voulais vraiment un sous blister et j'ai craqué. Ouais. J'ai hésité, hein, franchement, j'ai hésité. J'ai tout fait pour baisser le prix, mais même à 30, c'était hors de... personne m'a dit que c'était hors de question, c'était 35. Bon. Je regrette pas, mais j'en achèterai pas 10 comme ça, quoi. J'en ai un, je le garde. Donc voilà, donc, je vais pas les laisser sur la caméra pour le coup parce que j'ai pas assez de place. Donc pour Wizard, c'est tout simplement les blisters les premiers blisters qui ont existé plutôt, j'étais en train de chercher mes mots. C'est du set de base. Voilà. Alors ça je suis content, très 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 content parce que je cherchais depuis longtemps à en avoir. Voilà. Du set de base j'en cherchais depuis longtemps à en avoir, donc je suis content. J'en voulais absolument en édition 2, je sais pas si les blisters ont existé en édition 1, en édition 2 pardon. J'ai édition 2, ouais, non, j'en voulais absolument en édition 1, donc édition 1. Donc du set de base, donc ça c'est le Tortank. Les blisters Wizard, j'adore parce que c'est du carton, vous voyez. C'est pas du plastique, c'est du carton, et j'adore. Voilà le derrière. C'est plus fragile, mais c'est vraiment joli. Donc en français, hein, évidemment. Donc j'en cherchais, j'ai le Jungle également en blister. Il me restera le fossile et j'aurai les 3 premiers boosters en blister. Et fossile par contre... Je ne sais pas si quelqu'un en a, mais ça doit être hyper rare. Donc ça, il y avait Murcielago, qu'on avait sorti il y a pas longtemps, qu'en vendait. Je lui ai pas pris, et finalement, je les ai achetés plus cher que ce que lui les vendait. Mais bon, c'est parce qu'il y avait d'autres choses avec, et j'ai pas cherché à chipoter. Donc j'en ai un second, le Dracofeu. Voilà. Ça, c'est super cool, magnifique. Donc si quelqu'un, même Murcielago, si tu passes par là, d'ailleurs, j'ai peut-être envoyé un message pour te demander, mais si tu passes par là, ou si quelqu'un a le Florizarre, je suis vraiment très intéressé, en édition 1, bien sûr. Voilà. Après, je mettrais pas 100 euros dans un blister comme ça, hein, mais j'aimerais bien voir le Florizarre pour avoir les 3. Mais je suis vraiment content d'avoir eu ces blisters, parce que c'est des blisters qui se font vraiment extrêmement rares. Donc maintenant, il reste que les boosters X, sous blister, donc il y en a 12, parce que j'en avais 15, donc c'est ça, 12. Il y en a 12, et il y a 2, 3, 4, il y a 5 séries. C'est ça, 1, 2, 3, 4. Il y a 5 séries et il y a 12 blisters. Je les ai classés du moins rare au plus rare pour moi. Alors, on va commencer par du ex-gardien du pouvoir.
Voilà, avec le petit Raichu ici, avec l'illustration K-Morse. Donc maintenant, c'est des blisters en plastique, hein. C'est bien et pas bien, c'est bien parce que ça se conserve beaucoup mieux que le carton, c'est vrai. Et en même temps, ça enlève du charme. Mais bon, à partir du bloc X, c'est comme ça. Gardien du pouvoir, mine de rien, c'est une série qui commence à se faire rare. C'est incroyable, sur eBay, il n'y en a plus. Moi j'en ai, mais encore un de chaque, mais je les garde pour moi. Mais à la vente, il n'y en a plus. De toute façon, le bloc X, je vous le dis, hein, entre vous et moi, ça commence à s'épuiser. On sent qu'il y a moins en moins de personnes qui en vendent, que les prix montent de plus en plus. Donc si vous en avez, gardez-les bien précieusement. Ouais, le dos. Je vous montrerai le dos d'un seul booster à chaque fois. Hein. On garde le pouvoir avec K-Morse. Et j'ai un deuxième, le Absol. D'ailleurs, il est un peu descendu. Hop, on va le remonter. Alors celui-là, vous l'avez déjà vu, mais alors, ça remonte à plusieurs mois, voire peut-être, ouais, même plusieurs, en moins un an, même plus peut-être. Je l'avais eu pour 20 euros. C'était 22 euros, je crois, je ne sais plus. Sur eBay. Quelqu'un qui a mis ça en achat immédiat pour 22 euros, j'ai cliqué direct. Et j'avais vendu à Nejan. Ouais. C'était 22 ou 27. Enfin, je sais plus, moins de 30 euros en tout cas, j'avais cliqué direct. Et le gars en avait 3! On avait 3! Et le mec, je lui demande s'il en a d'autres, parce qu'il faut toujours demander quand on trouve une pièce comme ça s'il a autre chose dans la collection. Dans sa collection. Et il me dit, il me répond pas. Et il en met deux autres en vente. Et ça m'est passé sous le nez. Je l'ai su par rapport aux ventes terminées d'eBay. Et parce qu'il m'avait répondu après coup, je crois. Il y en avait deux autres et j'aurais pu lui prendre, mais bah, du coup j'étais pas au courant, donc j'ai pas pu lui prendre. Donc voilà, j'avais rendu à Nejan et du coup je le récupère. Voilà. Parce que c'est son Pokémon préféré, et du coup je lui avais cédé. Ensuite, Booster Fantomolon. Voilà. Avec l'illustration de Mangriff. Alors là, on a le petit Mewtwo, qui est sympa. Avec l'illustration de Mangriff. Donc ça, j'ai déjà dans ma collecte. Mais bon, ça reste sympa. Voilà le dos. Là, il marque une carte holographique, une rare, une peu commune et normale. Mais quand j'ai lu ça la dernière fois, je me suis dit, mais non, dans les X, il n'y a pas tout un temps une carte holographique. En fait, ils estiment que les rivers sont des holographiques, tout simplement. Donc voilà, petit Fantomolon. Donc lui, j'ai eu en double. Voilà, deux fois. Donc je ne vais pas rester dessus. Et j'en ai eu même un troisième, et cette fois-ci avec l'illustration de ouf, l'illustration Léviator. Et c'est mon illustration préférée de Fantomelon, et c'est peut-être dans mon top 5 de mes boosters préférés. Je surkiffe cette illustration, est très très jolie. Voilà. Très sympa. Lui, j'avais pas. Donc il manquera à avoir le Kabutops et le Mewtwo pour les boosters, mais bon. C'est vrai que c'est. Déjà, il faut trouver. Parce que je vous cache pas que j'ai aucun filon pour trouver ce genre de choses, ça me tombe dessus comme ça. Et ça, il va falloir le trouver. Hein. Ça, il va falloir trouver les autres, mais alors déjà, il va falloir trouver et ensuite payer. Ça, c'est autre chose. Que je vous dis, cache pas que j'ai dépensé une grosse fortune. C'est pour ça que les Poké-achats, depuis quelques semaines, sont un peu moins gros parce que j'ai pas budget illimité. Hein. Donc ensuite, du Gardien Cristal. Alors là, on tombe dans le très très lourd. En loose, Gardien Cristal, ça équivaut à Fantomolon. Hein, mais en blister, je pense que c'est plus rare quand même. Donc ça, je vous ai montré un il n'y a pas longtemps, donc avec le Dracaufeu. Je vous ai montré le Brazégali il n'y a pas longtemps, donc là c'est Delcati. Très sympa. Delcati qui n'est pas une évolution d'Evoli, hein, je préfère le redire parce que beaucoup de personnes pensent ça. Voilà, dans Gardien Cristal, vous retrouvez des stars comme il y a Alakazam et il y a Celebi, je crois. Voilà. J'ai le Jirachi. Voilà en blister. Et j'ai celui que je voulais absolument, le Dracaufeu. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà expliqué, j'aime bien quand j'ai des blisters, j'aime bien que l'illustration ici soit sur le booster. Mais par exemple, là c'est le Mewtwo qui est en haut et je l'ai pas et ça me stresse. Donc là j'ai le Dracaufeu qui va avec le Dracaufeu. Et la dernière fois j'ai reçu un Brazégali, alors pas du tout au même vendeur, hein, ça n'a rien à voir, mais j'ai reçu et du coup bah, j'ai les 4. Avec de la chance, j'ai les 4. Gagne Cristal, j'ai les 4 blisters. J'ai blister, j'ai display, j'ai booster en loose, j'ai tout sauf coffret, tripack. Donc ça, je suis plutôt content. Hop. Ensuite, et c'est surtout ça qui m'a fait craquer, c'est les 4 derniers, des boosters légendes oubliées sous blister. C'est bien français, hein, vous rêvez pas, c'est bien français. Hop, il bouge un petit peu. Alors ok, vous allez tous me gueuler dessus, mais non, Fantomolon et Gardien Cristal, c'est beaucoup plus rare que les gens les oubliés et tout. Ok, je suis carrément d'accord avec vous, c'est beaucoup plus rare. Par contre, en blister, moi, de ma vie, j'en avais jamais vu. De les gens les oubliés sous blister, j'en avais jamais vu. Alors que j'avais déjà vu du Gardien Cristal, j'avais déjà vu du Gardien du Pouvoir, j'avais déjà vu du Fantomolon. Voilà, j'avais jamais vu ça.
Après, je dis pas que ça coûte plus cher, mais j'avais jamais vu, donc j'estime que c'est plus rare. En tout cas, moi, je trouve que c'est plus rare. Donc voilà le dos. Toujours le même dos, à peu près. Donc là, je suis content parce que vous allez voir la suite. J'allais dire une bêtise. Là, la suite, j'ai un deuxième. J'ai essayé de remonter le booster. Voilà, c'est vrai que ça se balade, c'est un peu embêtant. Encore une fois, je suis content parce que j'ai le Registeel également. Et avec le Registeel qui va là, ça donne un super effet. Très très bon. Ah ouais, je vous ai pas dit ce qui était à la vente ou à l'échange. Bah, je vous dirai après. Et j'en ai un troisième, le Regice. Voilà, donc je vous dis, cache pas, j'ai pas le quatrième. Donc le quatrième, qu'est-ce qu'il c'est? C'est Metalos? Je crois que c'est Metalos, ouais. Il faudra que je le trouve. Bon, bah, j'ai pas trop d'espoir. Et le dernier, c'est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique. Je suis en train de le regarder là, c'est vraiment magnifique. Et c'est vraiment. Je vous dis, j'ai payé ça très très cher. Hein. J'ai pas envie de donner de prix, mais chaque blister, plus de 50 euros. Sauf le diamant hyper, je vous ai dit 35. Il y a des blisters qui valaient pas vraiment ce prix-là, mais la personne m'a dit, c'est soit tu prends tout au prix que je t'ai dit, soit rien. Il voulait tout vendre d'un coup. C'était dur, hein. Franchement, négocier ce genre d'objet, c'est compliqué, parce que la personne sait très bien que j'en trouverai pas partout, donc voilà. Et j'ai craqué, ce blister, il est vraiment beau. En plus, il est vraiment, on croirait qu'il sort du magasin. Je vais vous montrer comment. Je vais vous montrer par le bas. J'essaie de vous le montrer comme ça. Tadam. Si je vous montre ça comme ça, vous me dites c'est quoi? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? On va monter, on va monter. On va descendre plutôt. 9-4. Boum. Force cachée. Eh ouais. Ah celui-là. Ah celui-là, je le rendrai jamais. Celui-là, je le vendrai pas. Encore une fois, sauf offre énorme, parce que voilà, il faut bien faire tourner le business, il faut bien pouvoir acheter d'autres choses. Donc, si on propose 500 euros pour un blister comme ça, à part d'être fou, je peux pas refuser. Mais bon, voilà, on proposera, je pense, à jamais cette somme. C'est vraiment incroyable. Il est force cachée. Enfin, si on m'avait dit un jour, tu auras un blister force cachée, j'aurais jamais cru. Pour moi, avoir ce blister, c'est presque, bon, pas quand même, mais c'est presque comme si j'avais un display de force cachée. Ça me fait presque le même effet. Enfin, bon, un display force cachée, je sais pas si ça existe encore, mais ça me fait presque le même effet. C'est waouh. C'est vraiment énorme. Bon, bah dommage, hein. Là il y a le Raikou. D'ailleurs, je suis vraiment content qu'ils aient mis le Raikou parce que j'avais jamais vu, hein, ce blister, donc je savais pas comment il était. Ils ont mis le Raikou ici, je suis content parce qu'il est vraiment beau ce Pokémon. J'adore ce Pokémon. Bon, genre le Raikou, ça aurait été encore plus top, mais bon, Genoctali. Je connaissais pas les illustrations, hein, parce que le gars m'a fait des photos, mais à l'arrache, et je connaissais pas. Il m'a surtout fait des descriptions. Mais enfin non, j'avais des photos. Attends, je crois que je suis en train de chercher parce que j'étais tellement. Oui, j'avais des photos. Je connaissais l'illustration. J'ai dit bêtises. Je connaissais l'illustration. Mais bon, j'aurais Raikou, je suis content, mais je peux pas être déçu parce que j'ai Noctali qui est hyper beau. Et clairement, j'aurais pu avoir le Steelix ou le Typhlosion que j'aime déjà beaucoup moins. Et, donc, je vais pas me plaindre. Et le dos. Voilà, le dos est très beau. Franchement, le dos est très beau. Voilà. Le blister, vous voyez, est vraiment beau. C'est surtout pour ça, j'avais vraiment peur. Hein. Je lui ai dit au gars, je lui ai dit surtout protège bien. Bon, il va vraiment pas bien protéger. Le papier bulle, il faisait la taille du carton presque. Donc voilà. Magnifique. Bon, il y a des petits effets, vous voyez, j'essaie de vous montrer les défauts. Bon, il y a des petits points dessus, tout ça, mais bon, bref. Bon, se cacher, c'est 2005, je crois. Faire une macro. 2006, ouais, 2006. Bon, quasiment 10 ans, je pense que c'est quand même bien conservé. Donc voilà, je vais vous laisser avec celui-là. Allez, je vous mets un petit Jean de Zoubi à côté. Hop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. C'est une réception spéciale qui a duré plus longtemps que d'habitude. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, je vais pas trop vous dire quand. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ce qu'il y a à l'échange. Alors, ce qu'il y a à l'échange, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc je vous dis, tout est à la vente potentiellement, mais il faudrait vraiment lâcher gros. Mais ce qu'il y a à l'échange, c'est les deux Fantomolon Mangrif. Voilà, si ça vous intéresse. C'est pas ce qui m'intéresse pas, hein, c'est j'en ai déjà un dans ma collection, donc je vais pas en garder trois. Celui-là, non. Celui-là, le gardien du pouvoir Kaymorph, que j'ai en double. Les de base, non, et ça, non. Ouais, donc c'est tout. Pas grand. Après, le reste. Par contre, le reste, je peux l'échanger facile. Le vendre, ça va être dur, il faudra vraiment proposer énorme. Par contre, je peux l'échanger plus fa plutôt facilement, ouais. Si vous proposez, je sais pas moi, un blister. Quelle série m'intéresserait beaucoup? Un rouge feu vert feuille. Ah, qu'est-ce que je kifferais. Un blister rouge feu vert feuille. Là, je peux être tout de suite plus enclin à échanger.
Donc voilà, donc je vous laisse mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'attends vraiment beaucoup de vos retours. S'il vous plaît, prenez 10 secondes pour écrire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai hésité, hein, j'ai hésité, j'en ai parlé avec quelques personnes. J'ai hésité à vous montrer ces blisters parce que je voulais vraiment les garder pour moi et pas les montrer. Et vous les montrer un jour dans une collection, dans une vidéo de toute ma collection. Puis bon, allez, je me suis dit, allez, faut que je leur montre, je leur dois bien ça. Donc je vous l'ai montré, donc j'attends vraiment vos retours. Mettez un petit like, ça fait plaisir, faites péter les likes. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, ciao ciao.